L'appel de Caen a confirmé aujourd'hui la condamnation des antinucléaires du Gamba qui s'étaient enchaînés à une voie ferrée le 1er juillet 2008 près du Molly-Littry dans le Calvados. Les quatre militants devront payer chacun 500 euros d'amende. En revanche, la SNCF a été déboutée de sa demande de dommages d'intérêt de 7 500 euros qui lui avait été accordée en première instance. Philippe Villalon sera candidat à sa succession.